Bonjour, bienvenue au Centre des Écrits de Montréal. Nous sommes très heureux de vous revoir ce matin. On est en petit nombre, mais quand même on est là, donc par la grâce de Dieu. Et puis on va offrir à notre Créateur un culte qui, on l'espère, va lui être agréable. Donc on va juste vous faire quelques petits rappels, donc quelques annonces. Donc l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin sur Ici Télé à 8h30. Et le thème de l'émission, c'est « Honore ton père et ta mère ». L'émission est aussi diffusée donc, le samedi matin sur la même chaîne à 8h. Et en tout temps, vous pouvez l'écouter aussi sur le web au www.ilestecrit.tv. Oui, c'est ce que j'ai dit, 8h30 le dimanche. Ouais. 8h30 le dimanche, 8h le samedi matin, donc sur Ici et Télé. Et puis, donc, on vous rappelle aussi concernant les masques, donc on doit encore les porter. Donc, quand vous chantez, donc si vous chantez, donc il faut les mettre. Par contre, si vous ne chantez pas et que vous êtes assis, vous pouvez les enlever. Et puis quand vous vous déplacez, donc vous les mettez. Si vous avez un cellulaire, on vous invite à le fermer. On n'aimerait pas être distrait par les sonneries de téléphone. On vous invite aussi à prier pour le séminaire, donc surmonter l'anxiété et la dépression qui débute bientôt. Donc priez pour les participants, priez aussi pour les intervenants pour que ce séminaire-là soit une réussite à la gloire de Dieu. Donc on vous souhaite, et le prédicateur aujourd'hui sera notre pasteur Rémi Ballet. Donc que Dieu vous garde, passez un bon sabbat dans la maison du Seigneur. Bienvenue au Centre Il est écrit de Montréal. Nous désirons vous offrir, vous proposer la solution à nos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Je vous invite à vous lever. Il entrera dans le lieu très saint, qui portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer, qui jouira le cœur du Seigneur, qui lui offrira un chant d'amour. Le glorifier. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je demandera force et sagesse pour le servir, lui obéir, qui se lèvera pour le Seigneur.
reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul, tu es saint. Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint. Trois fois saint. Dieu
2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est ce qu'on trouve dans Deutéronome au chapitre 8. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères.
En toute liberté, vous êtes invité à donner vos dîmes et offrandes. Vraiment, aucune obligation. On le fait parce que on reconnaît que c'est lui qui me donne la force pour acquérir mes belles maisons, mon gros, mon menu bétail, mon argent puis mon or. Et donc, finalement, c'est juste de lui rendre ce qu'il m'a donné. Vous pouvez aller aussi sur le site web pour ceux qui sont en ligne, parce qu'on sait que ce matin, nous sommes en nombre réduit. Donc, un moyen aussi de donner en ligne en allant à la page d'accueil du Centre Il est écrit de Montréal, CIEEMontréal.org. Et donc, il va y avoir un petit bouton vert au milieu pour donner. C'est déductible d'impôts. On remercie nos gouvernements pour reconnaître l'importance de l'œuvre qu'on accomplit dans la société au travers les reçus qui nous permettent d'avoir des retours d'impôts. Ton amour, il n'y a point d'ombre en ta présence qui peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. Mais c'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. L'éclat de ton amour, il n'y a point d'ombre en ta présence. Il peut vraiment oser se tenir devant le trône, devant ta face, ô Éternel. C'est par ta grâce et c'est par ton sang, ô Jésus, que je viens. J'élève un chant comme une offrande vers toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus. J'élève un chant comme une offrande à toi, mon roi. Nul ne mérite ces louanges ici-bas. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire qui t'est due. Reçois mon offrande, ô Jésus.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Ses amis donnent sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau pur par sa mort donnait le salut? Oh, par sa mort donnait le salut. Tu es celui que nous louons.
Et bonjour à tous. J'ai su il y a moins de deux jours que j'allais partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, puisque la personne qui devait le faire normalement, visiblement, a eu un problème suite à une visite chez le dentiste. Et donc, le pasteur du centre, Claude Trépanier, m'a demandé si je pouvais, un petit peu à brûle pour point, partager avec vous un message ce matin. Et je ne lui ai pas dit oui tout de suite, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai prié, et puis il y a quelque chose qui m'est venu, j'ai dit oui, j'aimerais partager ça avec mes amis du centre, il est écrit, et c'est avec plaisir donc ce matin que je suis avec vous pour partager un texte que j'aime énormément, sur lequel j'ai déjà prêché au centre, mais ça fait des années, alors je ne crains pas de reparler des mêmes choses quelques années plus tard, tant je sais qu'on oublie rapidement et qu'on a besoin souvent de se rappeler les choses importantes. Peut-être pour introduire le texte sur lequel je voudrais réfléchir avec vous, je voudrais vous parler d'une expérience que j'ai faite dans les derniers 10 jours. J'ai eu à faire quelque chose que j'ai fait rarement dans ma vie. On m'a demandé de faire de la traduction, mais pas n'importe quel type de traduction, la traduction simultanée. Alors, traduction simultanée, vous savez ce que c'est. Quelqu'un parle dans une langue, vous l'écoutez, et en même temps, vous le traduisez dans une autre langue. En l'occurrence, j'entendais de l'anglais, et je devais le rendre en français. Ce n'est pas mon métier. J'ai pas fait ça souvent, mais on avait besoin de quelqu'un pour aider, donc j'ai accepté d'aider, j'ai fait de mon mieux. C'était loin d'être parfait, mais au moins ça aura permis à un certain nombre de personnes d'entendre un message compréhensible. En fait, pour vous situer le contexte, tous les ans, une fois par an, au niveau de notre église mondiale, de l'église adventiste mondiale, il y a une rencontre des responsables des différentes régions du monde. Alors des gens viennent d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Europe. Et normalement, ils se retrouvent aux États-Unis. Cette année, vous comprenez, vu les circonstances, personne ne s'est retrouvé aux États-Unis. On ne voulait pas prendre le moindre risque et de toute façon, ça aurait été interdit. Donc, tout s'est passé où? Non, pas au Canada, non, pas du tout. Non, non, le Canada n'aurait pas plus accepté de recevoir tous ces gens-là, je pense. Ça s'est passé sur Zoom. C'est passé sur Zoom, comme à peu près tout ce qui se passe en ce moment. Et donc, chaque matin, alors ça avait lieu à partir de 7h du matin, heure d'ici, parce que comme il y avait des gens qui devaient se connecter, qui étaient en Europe et d'autres encore plus loin dans le Pacifique, la seule heure où on pouvait à peu près avoir tout le monde, c'était 7h du matin ici. Les autres là-bas, ils étaient peut-être à 22h chez eux, mais on arrivait pendant quelques heures à rester ensemble. Donc, le matin de bonne heure, je me levais, j'allais sur mon ordinateur, je prenais les écouteurs, puis là, ça commençait. Ça durait 4 à 5 heures. Je n'étais pas tout seul, Dieu merci, il y avait quelqu'un. Alors, on se relayait par 30 minutes. 30 minutes lui, 30 minutes moi. Toute une expérience. Toute une expérience. Je vous assure que c'est plus fatigant que de marcher 15 kilomètres. Pour le cerveau, c'est presque épuisant. Mais en même temps, j'ai trouvé l'expérience intéressante et j'ai trouvé qu'elle nous disait quelque chose, qu'elle me disait quelque chose, cette expérience, par rapport à notre rôle en tant que chrétien. Parce qu'en fait, je crois que, d'une certaine manière, cette expérience que j'ai faite pendant un peu plus d'une semaine, d'être un interprète pour quelques dizaines de personnes qui m'écoutaient en français dans leurs écouteurs. Je pense que cette expérience ressemble beaucoup à celle que Dieu veut que nous vivions en tant que chrétiens. Et j'aimerais partager ça avec vous ce matin. Et avant de le faire, si vous voulez, on va prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire un grand merci pour cette journée de sabbat qui est l'occasion de nous retrouver dans ta présence. Nous trouver aussi dans l'amitié et la fraternité, nous qui sommes ici au centre, il est écrit, et aussi
en esprit avec tous ceux qui nous regardent via l'Internet. Père du ciel, j'aimerais maintenant te demander de bien vouloir parler à notre cœur et à notre intelligence à travers les Écritures, à travers ce texte que nous allons méditer, à travers Jésus notre Sauveur. Et c'est en son nom que je te prie. Amen. Nous sommes des interprètes. Et Jésus était un interprète. Et pour en parler ce matin, on ne va pas prendre un texte du Nouveau Testament. J'aurais pu prendre un texte dans les Évangiles. Mais on va aller plutôt dans l'Ancien Testament, lire un texte que j'aime énormément, qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50. Et là, aujourd'hui, je vais me contenter de réfléchir et de méditer avec vous sur un verset. Ésaïe, chapitre 50, mais avant de le lire, je vais situer le contexte. Dans le livre du prophète Ésaïe, qui est un livre merveilleux, on l'appelle parfois l'évangile de l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, il y a quatre passages qu'on appelle les poèmes du serviteur. Poèmes parce que c'est écrit de manière poétique, la plus grande partie du livre du prophète Ésaïe est écrite en poésie, à part quelques chapitres qui sont de l'histoire. Et puis, pourquoi poème du serviteur ? Parce que dans ces quatre textes, il est question de quelqu'un qu'on appelle le serviteur de l'Éternel. Et ce serviteur de l'Éternel, on peut, derrière ce terme, distinguer le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais beaucoup plus encore, on peut distinguer le Messie qui doit venir. Ces quatre poème du serviteur chez Ésaïe, on le trouve au chapitre 42, c'est le premier, puis au chapitre 49, puis au chapitre 50, et on va lire un extrait du chapitre 50, et le dernier, c'est le plus connu, chapitre 52-53, le poème du serviteur souffrant, c'est-à-dire le Christ qui est annoncé prophétiquement et qui va donner sa vie pour les hommes. Quatre textes remarquables, si vous avez l'occasion, lisez-les. Des prophéties qui annoncent la mission que le Christ va accomplir des siècles plus tard, parce que je vous rappelle que Ésaïe a vécu quand même environ 700 ans, un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Donc dans ce texte prophétique, il est question du Christ, mais présenté comme le serviteur de l'Éternel. Et au chapitre 50, verset 4, il est encore présenté d'une manière un tout petit peu différente, et je lis maintenant avec vous, si vous voulez bien, Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. C'est intéressant ici parce que dans ce verset qui annonce encore une fois le Christ est appelé un disciple. On n'a pas l'habitude de ça. Habituellement, on dit Jésus avait des disciples. Effectivement, il en avait beaucoup. Il avait 12 apôtres et puis il avait de nombreux disciples qui le suivaient. Généralement, Jésus, pour nous, c'est le maître. C'est celui qui enseigne les autres. Mais ici, d'une manière prophétique, Ésaïe voit le serviteur de l'Éternel, donc le Christ, comme celui qui va être un disciple. Deux fois dans le texte, le mot disciple est utilisé. Au début du verset, le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples, mot à mot, la langue des disciples. Et à la fin du verset, une oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Alors qu'est-ce que c'est un disciple ? Quand on dit aujourd'hui que quelqu'un est le disciple d'un professeur ou d'un maître quelconque. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? Quelqu'un qui a l'attention, oui, qui succède, éventuellement parfois il succède. Il peut. Un élève, voilà. En français, dans la langue française, le mot disciple vient du latin, discipulus. Discipulus en latin, ça veut dire un élève. Quelqu'un qui apprend. Et en hébreu, puisque le texte d'Ésaïe n'a pas été écrit en latin, mais en hébreu, le mot pour disciple,
c'est un mot qui vient de la racine du verbe apprendre. Donc c'est un apprenti, un disciple. Un apprenti, un élève. Chouraki, qui aime bien, André Chouraki, c'est quelqu'un qui a traduit la Bible en français, il aime bien toujours inventer des mots. Lui, il a traduit un appreneur. Mais cette image, quelqu'un qui apprend. C'est un peu étonnant de représenter Jésus comme celui qui apprend. De présenter le Christ comme le disciple. Et pourtant, c'est bien ce que fait le texte ici. Ésaïe, inspiré par Dieu, nous dit que Jésus était quelqu'un qui apprenait. Qui apprenait de qui ? De son Père. De son Père, bien évidemment. Et alors, vous avez remarqué que dans ce verset, ce serviteur de l'Éternel, le Christ lui-même, qui est le modèle du disciple en quelque sorte, on est appelé à être des disciples à la manière de Jésus. Ce disciple, on parle tout particulièrement de deux de ses organes, si je peux dire ça comme ça, de deux de ses membres, entre guillemets. On parle de sa langue. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue de disciple. Et on parle de son oreille, à la fin du verset, pour que j'écoute, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Donc pour être un bon disciple, il faut avoir une bonne oreille, il faut avoir une bonne langue. En quelque sorte, c'est ce que ici Ésaïe nous apprend en parlant de Jésus. Une bonne oreille et une bonne langue. Et vous voyez le lien avec mon rôle d'interprète durant les derniers jours. Pour interpréter, il faut avoir une bonne oreille, parce qu'il faut, arriver à écouter sans arrêt ce que dit la personne qui parle. Il faut avoir une bonne langue, parce qu'il faut arriver en même temps, évidemment tout ça passe par le cerveau, hein. Aujourd'hui, à l'époque, d'Ésaïe, on ne parlait peut-être pas du cerveau, mais aujourd'hui on dirait ce qu'il faut surtout, c'est un bon cerveau qui est capable de faire beaucoup d'opérations à la seconde pour entendre, bien entendre, convertir et ensuite, avec la langue, donner l'interprétation. Jésus était donc un interprète qui avait une bonne oreille et qui avait une langue de disciple. Et si on prend dans l'ordre, même si dans le verset ça arrive en deuxième, en réalité dans l'ordre ça commence par l'oreille. J'aurais eu l'air complètement fou si j'écoutais plus et que je parlais. Remarquez que ça arrive parfois que certains traducteurs, lorsqu'ils sont perdus, ils vont donner quelque chose d'à peu près sans trop écouter. Mais on ne peut pas apporter le message, interprété si on ne commence pas par l'oreille. Et je veux d'abord réfléchir un instant avec vous à ce qu'est une oreille de disciple, à ce qu'a été l'oreille de Jésus en tant que disciple par excellence. Quand on dit que c'est l'oreille qui est importante, c'est parce qu'en fait, la qualité de notre langue dépend de notre oreille. Par exemple, quelqu'un qui est né sourd aura beaucoup de mal à parler. En fait, autrefois, les sourds étaient muets, toujours. Parce que n'entendant rien, ils ne pouvaient rien prononcer. Aujourd'hui, avec des techniques, on arrive à apprendre aux gens qui sont sourds, malgré tout, à parler un peu. Si vous avez déjà entendu parler des personnes sourdes, il y a un côté un petit peu mécanique dans leur manière de parler, mais on comprend bien ce qu'ils veulent dire. Mais oui, en l'occurrence, il faut normalement avoir une oreille pour pouvoir parler. Quelqu'un qui chante faux n'a pas un problème avec sa langue ou avec sa bouche, ni un problème avec ses cordes vocales. Quelqu'un qui chante faux a un problème au niveau de son oreille, de son cerveau. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ça. J'ai eu la joie dans le passé, je me souviens, je dirigeais un petit groupe de chant, il y a déjà bien des années, et un jour on a eu quelqu'un qui voulait chanter avec nous. Alors, j'ai dit, tu veux chanter avec nous?
Ben viens, je vais t'écouter un peu, tu vas chanter pour moi. Il s'est mis à chanter et malheureusement, sur 10 notes, il y en avait 3 de fausses, 3 ou 4. Il dit, écoute, ça va être difficile. Là, à l'heure actuelle, tel que tu es, tu ne pourrais pas chanter, mais on va faire une expérience, si tu veux, ensemble. Tu vas venir, tu vas être à toutes nos répétitions, on va travailler ensemble, on va te faire travailler. Au début, tu ne pourras pas chanter avec nous, tu seras juste aux répétitions, mais peut-être, avec le temps, si ça s'améliore, tu pourras chanter avec nous. Et au bout d'un an, il chantait avec nous. Parce qu'en fait, il avait travaillé son oreille, il était désormais capable, parce qu'il entendait bien, de traduire par la voix ce qu'il devait chanter. D'où l'importance, nous dit le texte ici, de l'oreille. Il éveille, dit le texte, il, c'est Dieu, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Ce que Dieu est en train de dire ici à propos de Jésus, c'est que chaque matin, Jésus faisait quoi ? Chaque matin, oui, alors il priait, mais à condition de bien comprendre ce qu'on entend par prier. Parce que généralement, quand on parle de prier, pour nous, c'est parler. Mais en fait, la première chose que faisait Jésus chaque matin, c'était d'écouter. C'était d'écouter. J'imagine Jésus se levant le matin de bonne heure, trouvant un endroit tranquille et calme. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure que c'était quelque chose qu'il faisait régulièrement. Et là, être en présence de son Père, dire simplement, Père, il y a une nouvelle journée devant moi. Aujourd'hui, je veux être ton interprète. Aujourd'hui, je veux dire et faire les choses que toi, tu veux que je dise et que je fasse. Mais je ne peux pas de moi-même parce que je suis un homme. Souvenez-vous que Jésus, lorsqu'il a vécu sur cette terre, n'était pas un surhomme. Il a été homme comme nous, il a pris notre condition humaine. Et Jésus de dire à son Père, très certainement, Père, je ne peux pas par moi-même, j'ai besoin que tu m'enseignes, j'ai besoin que tu me dises, je suis ton disciple, apprends-moi, guide-moi, montre-moi ce qu'aujourd'hui je dois faire, ce que je dois dire, ce que je ne dois pas dire, de telle sorte que je fasse ta volonté. Et quand je dis qu'on peut imaginer cela, c'est plus que l'imaginer. Prenez avec moi, par exemple, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, le verset 35. C'est le deuxième évangile, donc, l'Évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35. Ici, il est dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et il sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. » Que dit le texte ici ? Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Ça, en Israël, c'est probablement 4h30 du matin, 4h, 4h30 du matin, quelque chose comme ça. Jésus se lève. Il sort, dit le texte, pour aller dans un lieu désert. Pourquoi il va dans un lieu désert ? Parce qu'il veut être tranquille, parce qu'il veut être seul avec Dieu. Il est dans une maison avec ses disciples. Il sait que dès qu'ils vont être debout, la tranquillité, ça va être terminé. Alors il sort, il va dans un lieu désert et là, il se met à prier, dit le texte. Et il se mit à prier, bien sûr, il exprime des choses à son Père, mais on peut être certain à partir d'Ésaïe 50, verset 4, que l'une des choses principales que fait Jésus pendant ce moment-là, c'est qu'il écoute. Il écoute son Père. Pour savoir, ce jour-là, ce que Dieu attend de lui. Et ça me touche beaucoup parce que je crois que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire en tant que disciples de Jésus, en tant que disciples de notre Père. Que la première chose que nous ayons à cœur de faire, c'est d'écouter notre Père céleste et de commencer nos journées comme Jésus en prenant un moment pour l'écouter. Comment est-ce qu'on écoute Dieu ? Comment est-ce que notre oreille peut s'exercer pour être une oreille de disciple qui entend la parole de Dieu ?
Certainement, comme Jésus, d'abord, il faut qu'on ait la bonne habitude de commencer nos journées avec notre Dieu. Il faut qu'on essaye, comme lui aussi, d'être à un endroit tranquille, même physiquement tranquille, pour pouvoir... Vous savez, la différence qu'il y a entre être dans sa chambre tranquille ou dans la nature tranquille, et là, de pouvoir méditer, versus d'être dans un endroit où la télé est allumée, les gens passent et parlent, etc. C'est pas la même chose au niveau de la capacité d'écoute. On a besoin, comme Jésus, de cet endroit tranquille où, matin après matin, on se met à l'écoute du Seigneur. Donc, un état d'esprit dès le matin. Mais après, comment est-ce qu'on entend que Dieu nous parle? Parce que, à part de très rares exceptions, vous n'allez pas entendre une voix qui va vous dire, voilà Rémi, aujourd'hui, à 9h tu fais ça, à 10h tu fais ça, tu vas rencontrer telle personne, tu lui diras ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, c'est certainement arrivé à Jésus dans certains cas, ça arrive parfois à certains disciples du Christ, mais c'est très rare. Comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu? Comment est-ce qu'on entend ce qu'il a à nous dire? Alors certainement en faisant silence, mais certainement aussi en ouvrant ce livre. J'en fais l'expérience et vous en faites l'expérience aussi. Quand en commençant la journée, on ouvre la parole de Dieu, et je ne sais pas quel est votre plan par rapport à cela. Certains vont peut-être faire chaque jour l'étude de l'école du sabbat. D'autres, dont je fais partie, vont avoir un plan de lecture régulier où chaque jour on lit un chapitre et on le médite. Mais quel que soit le plan que vous avez, et il faut que vous en ayez un, ce qui est sûr, c'est que ce moment-là, du début de la journée, c'est un moment privilégié pour venir dans la présence de Dieu, faire silence, inviter le Seigneur à nous parler, ouvrir sa parole et là, lire tranquillement, réfléchir, méditer. Et si vous avez fait cette expérience, vous savez comme moi que immanquablement, lorsqu'on fait ça, à un moment ou à un autre, au détour d'un verset de la Bible, il y a une parole qui nous dit quelque chose dont nous avons besoin. Il y a une histoire qui nous amène à réfléchir et nous prépare pour la journée. Il y a un message qui est là pour nous, que nous entendons, que nous comprenons, et que Dieu va pouvoir utiliser pour que dans la journée, nous puissions être ses interprètes. C'est-à-dire que nous la partagions d'une manière ou d'une autre avec ceux que nous allons rencontrer. Pas forcément d'ailleurs exactement de la même manière, parce qu'en fait, c'est comme celui qui interprète. Celui qui interprète ne dit pas les mêmes mots exactement que celui qui parle, mais il le rend compréhensible pour ceux qui l'écoutent. De la même manière, tout ce que je reçois de Dieu dans ces moments privilégiés du matin où je suis avec lui, je ne vais pas forcément le transmettre de la même manière à ceux que je rencontre, mais ça m'aura en quelque sorte nourri, ça aura nourri mon esprit, ça aura éclairé mon esprit pour pouvoir, avec la sagesse que Dieu va me donner, dire la chose appropriée, faire le geste approprié au moment opportun. Mais évidemment, ça implique que je ne vais pas simplement le matin prendre un moment avec Dieu dans cette relation avec lui, mais que tout au long de la journée, je vais garder l'oreille ouverte. Je ne peux pas, lorsque j'interprète, juste écouter le début de ce que dit le présentateur, dire « Ok, j'ai compris, et maintenant je traduis ad libitum ». Non, non, je dois garder cette oreille attentive tout au long de la présentation. De la même manière, dans nos vies, bien sûr, le moment du matin, comme le dit Ésaïe 50, est un moment privilégié. Jésus avait ses moments, ses rendez-vous avec son Père chaque matin. Mais tout au long de la journée, Jésus avait l'oreille de disciple. Tout au long de la journée, il était à l'écoute de son Père. D'ailleurs, on voit que dans certains cas, il écoute et puis à un moment, il ne sait pas encore. Je prends juste un exemple. Un jour, c'est en Israël, la fête,
la fête des... Je vais dire la fête des tentes, mais ce n'était pas la fête des tentes. Fête de la dédicace, pardon. Fête de la dédicace, et les disciples vont à Jérusalem, et les frères de Jésus vont à Jérusalem, et ils disent, alors toi, tu ne viens pas? Il dit, non, moi, je n'y vais pas. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y va pas? D'autant qu'il va y aller après. Mais à ce moment-là, Jésus dit, non, ce n'est pas le moment pour moi. Il attend les ordres de son Père, il attend que son Père lui donne la conviction qu'il doit y aller. Quelque temps après, il va y aller sur la direction, sur les directives de son Père. Et on voit à quel point Jésus était attentif. Il voulait dire la bonne chose, faire la bonne chose au bon moment, selon ce que son Père allait lui montrer. C'est certainement ce dont nous avons besoin, nous aussi. D'être à l'écoute tout au long de la journée, pas simplement démarrer nos journées avec Dieu, mais tout au long de la journée, développer cette oreille attentive pour être de bons disciples. Parce que Jésus était notre modèle, et il dit dans Jean 14, au verset 10, il dit quelque chose qui est sans aucun doute valable pour nous, c'est un modèle pour nous. Jean 14, verset 10, Jésus parle à Philippe, l'un des apôtres, il lui dit, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi ?» Et cette relation-là, Jésus est l'interprète du Père. Je suis en relation avec le Père et le Père est en moi. « Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi. Le Père qui demeure en moi accomplit les œuvres. » Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, dit Jésus. Moi, je suis l'interprète. J'écoute et je partage, je transmets. Pour être un bon interprète, pour être un bon disciple, il faut d'abord avoir une oreille attentive. Et je demande à Dieu qu'il puisse donner à chacun d'entre nous de développer cette oreille, de prendre du temps, d'abord de manière très concrète, très pratique, de prendre chaque matin... Au début de nos journées, je sais que pour certains, le matin, c'est peut-être le soir, parce que si vous travaillez en étant décalé, mais vous comprenez l'idée. L'idée du matin, c'est l'idée du début de nos journées. Donc chaque matin ou chaque début de nos journées, de prendre ce moment avec Dieu, avec notre Père, pour écouter sa parole, pour écouter ce que son esprit a à dire à notre conscience, pour être dans le silence, dans le calme. De telle sorte qu'il puisse nous permettre, durant toute notre journée d'activité, d'être de bons interprètes. Et à partir de là, eh bien, nous allons développer maintenant la langue de disciples. Le Seigneur l'Éternel, dit le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples. Et quelle est la caractéristique d'après ce texte? Vous vous souvenez? Quelle est la caractéristique d'une langue de disciple? Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des disciples pour faire quoi? Dans ma version, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Selon d'autres traductions, pour que je sache soulager celui qui est affaibli. Autre version encore, pour soutenir par une parole celui qui est épuisé. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé aussi, parce que, vous voyez, une langue de disciple, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas d'abord une langue d'enseignant, même si l'enseignement est très, très important, et même si Jésus était l'enseignant par excellence. Mais la caractéristique première, la principale de la langue de disciple, ce n'est pas une langue d'enseignant, ce n'est pas encore moins une langue de propagandiste. Même si Dieu veut qu'on partage la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une langue de propagandiste, ce n'est pas une langue non plus, encore moins, qui critique tout ce qui se passe et tous ceux avec qui on est en contact. Passer beaucoup de temps à
à relever ce qui est négatif, passer beaucoup de temps à critiquer, soi-disant au nom de la vérité. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on a une langue de disciple. Ici, je veux faire une parenthèse qui est plus qu'une parenthèse, parce qu'en ce moment, je trouve que les chrétiens, le peuple de Dieu en particulier, courent un grand danger sur ce plan-là. On est dans une situation particulière depuis maintenant des mois, avec cette crise du coronavirus COVID-19. Et je remarque une tendance en général dans la société, et chez les chrétiens en particulier, à se concentrer sur tout ce qui est, alors du côté non-chrétien, je veux dire, tout ce côté complotiste, hein, voilà, ce qui arrive, c'est parce que voilà, les gouvernants ont un plan, ils veulent ceci, ils veulent cela. Il y a peut-être du vrai là-dedans, je ne dis pas que tout est faux, hein, mais on voit certaines personnes se concentrer essentiellement en ce moment sur cette espèce de dénonciation des autorités et des grandes ce monde qui sont en train de manipuler la population mondiale, etc. Et chez les chrétiens, ça prend une forme un tout petit peu différente. On parle à peu près des mêmes choses, mais on en parle avec la dimension prophétique, en montrant que dans la Bible montre qu'à la fin des temps, eh bien oui, il y aura des puissances, une puissance mondiale qui va exercer un pouvoir d'oppression, qui va obliger la population à se conformer à certaines règles. Et c'est juste, c'est biblique. Il ne s'agit pas pour moi de nier cela, et je crois qu'il faut qu'on soit conscient et vigilant, éclairé, pour reconnaître certaines choses qui se passent dans ce monde et qui incontestablement montrent que la prophétie avance et que certainement nous nous rapprochons du dénouement final, du retour de Jésus. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand quelqu'un qui est croyant, qui est chrétien, pratiquement ne peut plus parler que de ça. C'est-à-dire que le seul discours pratiquement de certains chrétiens en ce moment, c'est de dire, regardez ce que font les gouvernements, c'est de la manipulation, c'est prophétique, c'est la marque de la bête qui va bientôt être apposée sur les êtres humains. Et il n'y a plus que ça. Et là, je me pose la question, je me dis, est-ce que si le Christ était ici, présent aujourd'hui, en chair et en os, comme il l'a été en Palestine il y a 2000 ans, est-ce que ça aurait été son message? Et quand je lis et que je regarde ce que Jésus a vécu et partagé quand il était sur cette terre, je suis obligé de dire non, ce n'aurait pas été son message principal. Oui, Jésus nous met en garde, et il y a par exemple dans les évangiles 2-3 chapitres qui sont des chapitres prophétiques où Jésus annonce ce qui va arriver. Jésus n'a pas éliminé cette dimension d'être attentif à la prophétie, au contraire. Mais ce n'était pas l'essentiel de son message. L'essentiel de ce qu'il faisait avec sa langue de disciple, ça nous est dit ici. Il était là pour soutenir par la parole celui qui était fatigué, épuisé, celui qui n'avait plus de force, celui qui avait besoin d'être relevé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que Dieu veut que nous puissions être en tant que disciples de Jésus. Aujourd'hui, ce dont les gens qui nous entourent ont le plus besoin, ce n'est pas qu'on leur parle à longueur de journée des catastrophes qui nous attendent, des complots qui sont en train de se faire dans ce monde et finalement de tous ces événements terribles et cataclysmiques qui sont devant nous. On ne les nie pas, on sait qu'ils vont arriver. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, ça existe, il faut qu'on en soit conscient. Il faut qu'on demande au Seigneur de comprendre ce qui se passe. Mais ça ne peut pas être l'essentiel de notre message. Parce que ce n'est pas ce message-là qui va donner de l'espoir. Ce n'est pas ce message-là qui va donner des forces. Ce n'est pas ce message-là qui va permettre à quelqu'un de se relever dans une période de crise comme aujourd'hui et de dire « j'ai confiance, j'ai la force, j'ai une force qui vient d'en haut et je peux... » faire face à
à toutes les circonstances de la vie. La langue de Jésus, la langue du serviteur de l'Éternel, était une langue qui, avant tout, soutenait par la parole ceux qui étaient affaiblis, c'est-à-dire les êtres humains dans leur ensemble, puisque nous sommes tous faibles et affaiblis dans bien des domaines. Je sais que parfois, certains disent, oui, mais il faut dire la vérité. D'accord, il faut dire la vérité, c'est vrai. Et puis, certains vont même parfois être assez durs en disant, mais Jésus aussi, il a été dur. Hein? Quand Jésus a parlé aux pharisiens, parfois il était dur. Jésus avait parfois des paroles qui pouvaient sembler tranchantes. Je comprends. Et parfois, Dieu nous appelle à dire la vérité sans cacher quoi que ce soit. Cependant, j'aimerais quand même vous rendre attentif à trois choses. Parce que c'est assez facile de justifier notre esprit critique ou de justifier notre tendance à envoyer les vérités tranchantes aux autres en se plaçant, en quelque sorte, sous la bannière de Jésus. J'aimerais vous rappeler trois choses. La première, Jésus était sans péché. Quand Jésus reprenait les pharisiens, c'était un homme sans péché qui reprenait des pécheurs. Moi, je suis un pécheur, un grand pécheur. Alors, si je suis amené à reprendre quelqu'un, il faut que je me souvienne, je ne suis pas là et l'autre là. On est tous les deux là. Et si je dis quelque chose pour reprendre mon frère ou ma sœur, ça ne doit pas être avec un sentiment quelconque de supériorité. Je suis supérieur en rien, je suis aussi pécheur que lui ou elle. Je ne peux certainement pas me comparer à Jésus sur ce plan-là. Ça m'amène à un peu plus d'humilité et un peu moins de dureté. La deuxième chose, c'est que même quand Jésus devait reprendre avec parfois une certaine virulence ses opposants, il le faisait avec bienveillance. Comment est-ce qu'on sait que Jésus le faisait avec bienveillance? D'abord parce que si Jésus est Jésus, s'il était le Fils de Dieu, forcément il était amour dans tout ce qu'il faisait. Permettez-moi juste de lire un passage avec vous dans l'évangile de Marc, chapitre 3, qui exprime très bien cela. Jésus est dans une synagogue, il y a un homme qui a une main sèche, Jésus a l'intention de le guérir, mais il y a des gens qui l'observent, en particulier des chefs religieux du peuple, des pharisiens. Ils l'observent pour voir s'il va le guérir un jour de sabbat, parce que dans leur tête, on ne peut pas guérir quelqu'un un jour du sabbat, parce que c'est un travail. Évidemment, c'était une fausse conception du sabbat, mais c'était celle de beaucoup à l'époque. Alors, lisez avec moi à partir du verset 3, chapitre 3, verset 3 de l'évangile de Marc. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, et en même temps, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit, et sa main devint saine. Il y aurait beaucoup à dire sur cet épisode, on pourrait faire toute une prédication, rien que sur cet épisode, sur le sens du sabbat, sur la dimension de la guérison. Mais ce qui m'intéresse, dans le cadre de mon sujet aujourd'hui, c'est juste cette expression du début du verset 5, « Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur. » Ouais. Jésus est en colère contre les pharisiens parce que ce sont des gens qui vont lui reprocher d'avoir guéri un malade alors qu'eux projettent de le tuer. D'où la fameuse question, est-ce que aujourd'hui ça va, il est permis de sauver un homme, de le guérir ou de le tuer? A dû résonner à leurs oreilles d'une manière particulière. Mais Jésus est en colère pour cela.
Mais en même temps, dit le texte, il est quoi? Il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Il est touché au fond de lui-même, dire ces gens-là sont complètement pris dans leur aveuglement, dans leurs mauvais sentiments. Ils sont les jouets de l'ennemi, leurs cœurs sont endurcis. Et on sent dans cette expression qu'il y a de la part de Jésus de la bienveillance envers eux. Il voudrait les toucher, il voudrait les sauver. Et la langue de Jésus, puisque c'est une langue de disciple qui parle là, quand il pose la question, est-ce qu'il est permis à un homme de faire du bien ou de faire du mal, de sauver ou de tuer, cette langue de disciple est une langue acérée qui va toucher le cœur, mais c'est en même temps une langue bienveillante. Alors à chaque fois qu'on s'apprête à critiquer quelqu'un, à chaque fois qu'on s'apprête à faire des remontrances, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais dire est bienveillant? Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est bienveillant? Parce que même si c'est vrai, mais que ce n'est pas bienveillant, alors ma langue ne sera pas une langue de disciple. Jésus avait la langue de disciple. Il était vrai, il était authentique, mais il était toujours bienveillant. Alors souvenons-nous, si nous avons tendance à nous placer, comme je disais tout à l'heure, sous la bannière de Jésus pour reprendre, critiquer, etc., souvenons-nous toujours, premièrement, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas sans péché. Deuxièmement, est-ce que comme Jésus, j'ai une langue de disciple, c'est-à-dire que ce que je vais dire, je vais le dire par souci de vérité et avec bienveillance. Et troisième élément, et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est que Jésus ne passait pas l'essentiel de son temps à reprendre, à critiquer, à annoncer des malheurs. Il passait l'essentiel de son temps à faire du bien, à soulager, à fortifier, à élever. En terminant, quelques exemples concrets de cette langue de disciple qu'avait Jésus. Vous vous souvenez, Ésaïe, le prophète, inspiré par Dieu, nous parle de serviteur de l'Éternel qui a une langue de disciple, parce qu'il a une oreille de disciple. Et cette langue est là pour soutenir ceux qui sont abattus. Pensez par exemple à la rencontre entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus est au puits de Jacob. Cette femme vient, je ne vais pas lire le texte, vous le connaissez sans doute la plupart d'entre vous, vous pouvez le lire dans Jean chapitre 4. Cette femme vient, et j'imagine qu'à ce moment-là, Jésus, le matin même, a pris du temps en prière avec son père. Il a écouté son père. D'ailleurs, son père lui a dit, tu vas passer par la Samarie. Ce n'était pas la route normale pour un juif. Les juifs et les samaritains étaient des ennemis jurés, même si Jésus, lui, n'avait pas d'ennemis. Mais en général, les juifs et les samaritains étaient des ennemis jurés. Et pour aller de Jérusalem jusqu'en Galilée, donc au nord, généralement, on faisait le tour, on évitait la Samarie. Et Jésus l'a fait parfois. Mais ce jour-là, alors que Jésus écoute, son père lui dit tout droit, tu passes à travers la Samarie. Et Jésus, qui est le disciple par excellence, obéit à son père, il passe à travers la Samarie, il s'arrête dans ce village-là, la femme arrive, et là Jésus reconnaît certainement que c'est ce que son père a prévu pour lui, il est dans cette relation avec lui, il faut qu'il interprète bien ce que le père va lui dire. Et sous l'influence de son père, il va dire à cette femme les mots exactement dont elle a besoin. Commencer par lui demander à boire. La femme est surprise, comment ça tu me parles? Et puis alors je ne prends pas le temps, là aussi on pourrait faire une, deux, trois prédications rien que sur ce texte. Mais finalement il va lui dire la parole qui va tout déclencher. Vous vous souvenez quelle est la parole qui va tout déclencher? Non, avant ça, la parole qui va tout déclencher pour cette femme. Va chercher ton mari. Voilà. Ça, c'est la parole qui va tout déclencher.
Parce que quand Jésus lui dit « va chercher ton mari », d'un seul coup, moi je me mets dans la peau de la femme, puis je sens qu'à l'intérieur de la femme, là d'un seul coup, elle est complètement déstabilisée. Qu'est-ce qu'il me dit ? Va chercher ton mari. Qu'est-ce qu'il me veut avec mon mari ? J'en ai pas de mari, j'en ai eu plusieurs, j'en ai plus. Celui avec qui je suis, ce n'est pas mon mari. Qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi il me dit « va chercher ton mari » ? En quelques secondes, tout ça, ça se passe dans la tête de la femme samaritaine. Vous connaissez la suite, elle dit « mais je n'ai pas de mari ». Et là, parce que Jésus est en connexion avec son père, il lui dit « oui, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu en as eu 5, puis celui avec qui tu es n'est pas ton mari ». Puis après, il y a encore toute une discussion autour de est-ce qu'il faut adorer à Jérusalem ou à Garizim. Je ne veux pas dire que c'est sans importance, c'est important, Jésus dit des choses importantes, mais ce qui a tout déclenché, c'est cette phrase-là. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'invente, si vous lisez le texte dit que quand elle va au village, elle ne va pas au village en disant « venez voir quelqu'un qui m'a dit qu'on pouvait adorer n'importe où » ou « venez voir quelqu'un qui m'a dit qu'il avait de l'eau à me donner ». Il dit « venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait ». Autrement dit, cette parole de Jésus, « va chercher ton mari ». Puis, tu en as eu 5, celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça, c'est ce qui a touché la femme, disant, cet homme-là, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Finalement, elle va même le reconnaître comme le Messie. Et cette femme va être libérée. Elle va être libérée de son passé. Elle va être libérée de ce poids qu'elle traîne depuis des années, peut-être des décennies. Sa soif profonde d'amour, de liberté va être étanchée grâce à Jésus. À partir d'une parole, c'était exactement la parole qu'il fallait. C'était la parole de la langue du disciple. Je pense à Jésus qui rencontre Nicodème. Ça aussi, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3. Et Nicodème, qui est un... rien à voir avec la femme samaritaine, un tout autre milieu. Nicodème, c'est un chef du peuple. Il vient voir Jésus. Et puis, il lui dit « Maître, Rabbi, tu es vraiment un maître qui vient de Dieu parce que personne ne pourrait faire les miracles que tu fais s'il ne venait pas de Dieu. » À ce moment-là, Jésus est certainement en prière, il est à l'écoute de son Père, savoir quelle est la parole qu'il faut donner à Nicodème. Et puis Jésus dit à Nicodème, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et je me souviens, les premières fois que je lisais ce texte, je me disais, mais qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Ça n'a aucun rapport avec ce que Nicodème vient de lui dire. Aucun rapport, apparemment. Tu es un grand maître parce que tu fais des miracles. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais en fait, Jésus a cette oreille de disciple, il écoute. Et qu'est-ce que lui dit son père ? Son père lui dit, cet homme-là, il a besoin de savoir ce que c'est que la conversion, la vie nouvelle. Alors, en substance, qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème ? Il lui dit, Nicodème, tu viens puis tu me parles de miracles parce que tu as été frappé, le fait que j'ai fait des miracles. Nicodème, il faut que je te dise quelque chose. Tous les miracles que tu as pu voir, là, qui t'ont émerveillé, il n'y en a aucun qui peut sauver un être humain. Aucun. Un homme peut être sourd et entendre. C'est formidable, mais ça ne le sauve pas pour l'éternité. Un homme peut être aveugle et voir, et c'est extraordinaire, mais ça ne lui ouvre pas la porte du royaume de Dieu. Nicodème, il y a un seul miracle qui sauve, un seul. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Ça s'appelle le cœur nouveau. Ça, c'est le seul miracle, Nicodème, qui peut te permettre de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors, permets-moi, Nicodème, de laisser de côté les miracles dont tu as parlé. Je ne veux pas te parler de ça, je veux te parler de l'essentiel, ce dont tu as besoin, toi, Nicodème, là, maintenant. C'est de savoir que le chemin du royaume de Dieu, c'est le cœur nouveau, la transformation. C'est exactement ce dont Nicodème a besoin. Ça, c'est la langue de disciple. Vous allez me dire, oui, mais c'était Jésus.
Bien sûr, c'était Jésus. Bien sûr, c'était le Fils de Dieu. Bien sûr, c'était le Messie. Mais si Jésus était un disciple, et si c'est le modèle du disciple, alors il veut que de plus en plus, à son image, nous ayons cette même oreille pour avoir cette même langue qui va pouvoir dire exactement ce dont l'autre a besoin au moment où il en a besoin. Et aujourd'hui, il y a des centaines, il y a des milliers d'hommes et de femmes autour de nous qui ont besoin d'une parole qui va les soutenir, qui va les relever, qui va les éclairer. Et non pas les condamner ou les critiquer. Et remarquez bien, Jésus dit la vérité, il dit la vérité à la femme, il ne lui cache pas. Je sais que ton problème, tu cherches l'amour, tu as eu 5 maris, puis celui que tu as maintenant qui n'est pas ton mari, puis tu n'es toujours pas comblé, tu as toujours soif. Donc la parole de Jésus n'est pas une parole à l'eau de rose, où tout est beau, tout est joli, non. Mais c'est rempli d'amour, c'est rempli de bienveillance, c'est une parole vraie, mais qui répond exactement aux besoins. Même chose pour Nicodème. Nicodème, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu naisses de nouveau. Mais c'est rempli de l'amour et de la grâce de Dieu. Et on pourrait prendre plein d'autres exemples, peut-être un dernier exemple, celui qu'on appelle le jeune homme riche. Ce jeune homme qui vient voir Jésus puis qui dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ? Et j'aime beaucoup parce que dans le texte de l'Évangile, le texte dit que Jésus regarde cet homme, ce jeune homme, et puis le texte dit qu'il l'aima. Et Jésus a eu de l'affection pour lui. Et puis là encore, il écoute et le Père lui dit, voilà, ce dont ce jeune homme a besoin, c'est que tu lui dises que il faut qu'il se défasse de ses biens, il faut qu'il les donne aux pauvres, et puis qu'ensuite ils te suivent. Et vous savez que dans le cas du jeune homme, à l'inverse de la femme samaritaine qui a accepté Jésus comme le Messie, à l'inverse de Nicodème qui est devenu un disciple de Jésus, en tout cas à ce moment-là, ce jeune homme n'a pas accepté la parole que Jésus lui a donnée. Le texte dit qu'il est reparti tout triste. Mais c'était encore la parole dont il avait besoin, exactement celle dont il avait besoin, parce qu'il était prisonnier de l'amour des richesses, prisonnier de ses biens. On pourrait multiplier les exemples. Prenez la femme adultère, vous prenez le brigand sur la croix, vous prenez l'apôtre Pierre, où là Jésus a eu la parole qu'il fallait exactement avant sa trahison et après sa trahison. Je partage tout ça avec vous parce que à chaque fois que je réfléchis à l'oreille de Jésus et à la langue de Jésus, je suis émerveillé. Je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux faire dans nos vies. Tu nous appelles à être tes disciples, c'est-à-dire des apprentis qui apprennent de toi chaque jour. Et tu veux qu'on puisse soutenir, fortifier, encourager ceux qui aujourd'hui se demandent dans quel monde on vit, où on va. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ceux qui, peut-être, à cause de tout ce qu'ils ont vécu dans leur existence, comme la femme samaritaine, sont encore désespérément en recherche de sens et d'amour. Et Dieu dit, bien, je veux que vous soyez mes disciples, comme le serviteur de l'Éternel. Et je veux, en terminant, simplement relire ce verset d'Ésaïe 50 et qu'on puisse le lire comme étant non simplement une annonce de ce que Jésus a vécu, mais une annonce de ce que Dieu veut que nous vivions avec lui. Et le « je » ou le « moi », on peut, chacun d'entre nous, l'écouter et le prendre comme étant personnel. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Amen.
amis donne sa vie. Qui aurait cru qu'un agneau par sa mort nous donne salut. Oh, par sa mort donner le salut. À vous lever pour la prière. Oui, Seigneur Jésus, tu es celui que nous aimons, que nous adorons. Tu es non seulement notre sauveur, tu es aussi notre modèle. Et ce matin, nous voulons ensemble te remercier d'avoir été un modèle si merveilleux, un modèle aussi étonnant pour nous, mais en même temps inspirant. Père du ciel, apprends-nous, réapprends-nous chaque jour à prendre ce temps avec toi pour t'écouter dans la tranquillité, dans le silence, comme toi, Jésus, tu le faisais quand tu étais sur cette terre. Apprends-nous à être de ceux et de celles qui écoutent ta voix, qui écoutent ce que ton esprit a à nous dire à travers ta parole, à travers notre conscience, pour pouvoir être aussi tes interprètes et avoir une langue de disciple. Une langue de vérité, une langue de bienveillance, une langue qui soutient, une langue qui relève. Nous ne pouvons certainement pas par nous-mêmes, mais nous pouvons, par ta grâce, être de vrais disciples. Et c'est la prière que je te fais pour chacun d'entre nous, pour cette nouvelle semaine, en ton nom. Amen. Bonne semaine à chacune et à chacun. Dieu vous donne une bonne fin de sabbat et de pouvoir cette semaine vivre de belles expériences avec notre Dieu.